cette capsule division, la division style traditionnel, je vais diviser 1289 divisé par 11. Je veux partager ce nombre-là en 11 parties égales. Alors, mon premier nombre avec lequel que je veux partager, 1289, je l'inscris ici. 89. Et le signe de division, personnellement, je le fais de cette façon-là, divisé par 11 au centre. La ligne horizontale pourrait être en bas. Il y en a ici aussi qui font un style de T différent. Alors ça, c'est ta discrétion à toi. Ce qui est important, c'est où est-ce que tu vas écrire tes éléments de réponse et les étapes à suivre. Première chose que je fais, le 11. Je ne suis pas en mesure de l'avoir dans ma tête combien que je peux le diviser en 11 parties égales, ce nombre. Alors, je vais un chiffre à la fois, une position à la fois. Première chose que je me pose comme question, c'est le 1 ici. Combien de 11 rentre dans 1? Alors, 11 fois quoi égale 1? Dans ce cas-ci, c'est impossible. Alors, je m'en viens placer avec les deux nombres maintenant. Combien de 11 rentre dans 12? 11 fois quoi égale 12 ou proche de 12? On est obligé d'être en dessous du nombre ici avec qui je travaille. Alors, 11 rentre une fois dans 12. Il rentre une fois. Ma réponse va devenir ici. 11 fois 1 égale 11. Je suis en train de travailler ici avec le 12. Alors, 11 fois 1 égale 11. Je fais une soustraction ici. 12 moins 11 égale 1. Ensuite, j'ai trouvé combien de 11 il y a dans 12. Il y en a une fois, fait 11 fois 1 égale 11. J'ai fait la soustraction. Lorsque ma soustraction elle est terminée, je reprends le chiffre suivant ici dans mon nombre, qui est le 8. Et je viens de descendre à côté de la réponse de ma soustraction tout à l'heure. Maintenant, je travaille avec le nombre 18. Combien de 11 il y a dans 18? 11 fois quoi égale 18 ou proche de 18, toujours en dessous de ce nombre. Alors, encore une fois, il y aura seulement une seule fois. 11 fois 1, comme tout à l'heure, égale 11. 18 moins 11, ici, égale 7. Je suis rendu, ma soustraction est terminée. Je suis rendu à descendre mon prochain chiffre ici, qui est le 9. Ça devient 79. Même question que tout à l'heure, je dois travailler avec celui-là ici. 11, il rentre combien de fois dans 79? 11, il rentre 7 fois. 11 fois 7 égale 77. Je soustrais 79 moins 77 égale 2. Je n'ai plus de nombre à descendre. Cette étape-ci, elle est terminée. Le nombre qui est là ici, 2. Va venir avec ma réponse. Ma réponse finale est 117. Reste 2. Alors, 1289 divisé par 11 égale, je pourrais réécrire ma réponse, 117. Reste 2.